Bon, on éloigne l'aimant, bien sûr. Et on vérifie que chaque objet, alors on vient à sa position initiale, c'est normal, que chaque objet n'est pas magnétique. Regardez. Voilà, voilà. Voilà, on est d'accord. Que moi, je n'ai pas de dispositif magnétique sur moi. Qui peut faire tourner la chose. Sur ce bouchon, je vais peut-être essayer de faire celle-ci. Pourquoi pas? Voilà, sur le bouchon, je vais poser en équilibre celle-ci. Et je mets mon bocal dessus. Voilà. Alors, prenez des photos vraiment de façon à ce que ça soit, vous voyez les boussoles et tout. Hop, là, c'est des batteries. Nous allons tenter l'expérience sur une autre. Comment? Vous avez le droit d'applaudir hein, quand même. Hein. Et puis je ne peux pas le coller au plafond aussi. Oui, des fois ça tourne dans le sens inverse, oui. Mais oui, monsieur. Alors, on attend qu'elle s'immobilise. C'est un beau document que vous prenez là, mes amis. Et on va essayer maintenant la plus grande. Comment? Je dis, j'ai peut-être pas suivi, mais pourquoi on met un bocal? Pour couper le vent. Tu as réfléchi 5 minutes, c'est pour que l'expérience soit absolument authentique et non discutable. Uniquement pour ça. On ne peut pas dire que c'est la chaleur des mains, mais pour une théorie physique connue qui permet d'expliquer le phénomène. C'est le test rénal. Alors, celle-là, j'ai beaucoup plus de mal. Ouais. C'est psychologique. Ça se voit bien. Alors on voit bien qu'on voit. C'est parce qu'on l'a aidé consciemment. C'est la conscience collective. Parce qu'on est là. Alors, on va essayer sur celle-ci. Là, je peux vous dire que c'est plus du rail. C'est une expérience qui a été proposée par des scientifiques qu'on a filmé sur TMC il y a 4 jours, 5 jours, qui a été proposée. Les scientifiques ont dit ça, nous, on n'est pas convaincus, mais c'est peut-être une demi-sphère plastique. Alors, on sait d'abord que... Oui, parce qu'il y a une symétrie de révolution. Et puis, là, on sait que... Voilà. Eh bien, ça a une importance pour... Enfin, moi, j'ai fait des études de physique, donc... Effectivement, je comprends pourquoi les scientifiques... On demandait ça. On demandait ça. C'est des enflures. En même temps, déjà avec ça, quand il y a le bocal et tout, pour arriver à générer un mouvement de rotation comme ça, c'est déjà... Bah, c'est impossible. Ils ont parlé d'électricité statique, c'est impossible. Parce qu'il y a une distance trop grande. Tu vois la régularité du mouvement. Et tout. Ah oui, non, attends, il n'y a pas de photo. Ça va vite.
coussin qui tourne. Alors, quand ils ont vu ça, les scientifiques, ils ont dit, bon, ben là, il y a problème, quoi. Ils devraient se réjouir. Oui, il y a une solution, peut-être. Ils ont des pains sur la planche. C'est pourquoi ils voient des problèmes partout. C'est le nouveau moteur zéro émission. Ça. Voilà, ouais. C'est quelque chose qu'on comprend. On met un générateur et voilà, l'énergie. Ah, l'énergie infinie. Oui, grâce au mouvement universel. Allez travailler maintenant. Merci, bravo.